Alors, ce qui est important sur une initiation, sur la première fois que tu vas skier, c'est que tu te mettes dans l'eau complètement en boule. Un cours très particulier, un cours privilégié, car aujourd'hui, la prof est une championne. Clémentine Lucine, multimédaillée, plusieurs titres mondiaux et européens, est un véritable phénomène. Et en plus, elle est une grande pédagogue. Alors, ça fait quoi d'avoir une championne comme monitrice? C'est pas donné à tout le monde, quoi. Surtout qu'elle est de la région aussi. C'est vraiment ce qu'on vit dans l'eau. Enfin, la façon comme elle parle et tout, c'est ça, quoi. Et puis, je suis très contente parce que c'est la toute première fois qu'il skiait. Et donc, de le voir réussir et à la barre et à la corde pour la première fois, c'est vraiment bien. À 30 ans, la fille prodige du lac d'Annecy est comme un prophète en son pays. Après avoir bourlingué pour gravir les podiums, elle est revenue s'installer, pensant mettre de côté sa carrière sportive. Je suis partie en compétition très sereine en essayant juste de garder mon niveau. Et il s'est avéré que j'ai fait une super saison quand même. J'ai gagné une étape de Coupe du Monde et j'ai gagné 2 titres au championnat d'Europe la semaine dernière. C'est la 10e année consécutive que je gagne les championnats d'Europe, donc j'étais vraiment très très contente. Donc là, je vais revenir au travail pendant 6 mois. Et l'année prochaine, grosse saison qui s'annonce avec les championnats du monde au Chili au mois de novembre, en fin d'année. Clémentine a fait ses premiers pas sur l'eau quand elle avait 3 ans. Et dans son sillage, la nouvelle génération est déjà prête. Le champion de France minime est lui aussi licencié à Sevrier.